Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Incendie effroyable à Notre-Dame de Paris. L'incendie à Notre-Dame pourrait être lié aux travaux de rénovation de la cathédrale. Les images sont impressionnantes. Un incendie a ravagé ce lundi 15 avril en fin de journée la toiture de Notre-Dame de Paris. Le feu est potentiellement lié aux travaux de rénovation de l'édifice, a appris l'AFP auprès des pompiers. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les causes d'un sinistre qui a semé la stupeur dans la capitale. Selon Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, aucune victime ou blessée n'est à déplorer. Après avoir craint la chute du beffroi nord, les pompiers ont annoncé vers 23 heures que la structure de Notre-Dame était sauvée et préservée dans sa globalité. Le feu a baissé en intensité, a renchéri à ses côtés Laurent Nunez, tout en invitant à rester extrêmement prudent. Cette cathédrale, nous la rebâtirons, a déclaré Emmanuel Macron, qui s'est déplacé sur le parvis de Notre-Dame après avoir annulé son allocution prévue à 20 heures, au cours de laquelle il devait annoncer des mesures après le grand débat. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée, a-t-il ajouté, adressant une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes, parce que Notre-Dame de Paris c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments. D'immenses flammes ont dévoré pendant toute la soirée une partie de la toiture du bâtiment, dégageant une épaisse fumée aux teintes jaunâtres. Notre reporter sur place a pu dans un premier temps s'approcher de la cathédrale, mais même les journalistes ont rapidement été priés de sortir du périmètre de sécurité car de plus en plus de cendres tombaient du ciel. L'ambiance était similaire à celle suivant un attentat, un silence de mort, des centaines de personnes qui pleurent, beaucoup de touristes mais surtout beaucoup plus de Parisiens que d'habitude, venus voir ce patrimoine qui partait en fumée. Le feu a pris dans les combles de la cathédrale, monument historique le plus visité d'Europe, ont indiqué les pompiers. Selon le porte-parole de Notre-Dame, l'incendie se serait déclaré aux alentours de 18h50. Toujours selon ce porte-parole, toute la charpente brûlait.